Bonjour, voici votre horoscope du mardi 2 août 2011. Les béliers, une journée facile pour vous. Vénus et Soleil seront vos alliés. Vous excellez professionnellement ou si vous êtes en vacances, vous vous accorderez de petites fantaisies. Taureau, bien soutenu par Mercure et la Lune aujourd'hui, question renouveau, les nouvelles arrivent. Vous sortirez de votre sacrée routine. Gémeaux, avec Vénus comme allié, oubliez pour aujourd'hui les enjeux professionnels que vous vous êtes fixés, car il est préférable de regagner la confiance dans les amours. Cancer, Jupiter-Uranus vous booste du changement au programme du jour. La confiance revient avec des ouvertures plus conformes à vos attentes. Lion, Uranus au trigone de votre soleil chez vous, chavire agréablement cette journée. Rencontre, invitation, enfin de bonnes nouvelles. Vierge, Mercure se relie à la Lune dans votre signe. Bel optimisme dans vos relations professionnelles. La communication sera votre va-tout. Balance, le carré de Mars-Saturne à Pluton vous rend instable. Une petite pause serait salutaire aujourd'hui. Scorpion, Vénus chatouille votre susceptibilité. En amour, la passion vous guette et pas toujours pour le meilleur. Alors essayez de comprendre votre partenaire. Sagittaire, une journée sous la houlette de Vénus en signe ami du Lion, au trigone de votre soleil, qui peut vous donner l'énergie nécessaire pour un petit défi personnel. Capricorne, l'impact de Mars opposé à Pluton dans votre signe décourage les couples ou associations formées. Le carré de Saturne en balance vous oblige à réfléchir sur vos engagements. Verseau, Neptune de retour chez vous vous inspire. Vous puiserez vos énergies au fond de vous-même pour conclure positivement cette journée. Et enfin, nos amis Poissons, Lilith, en fin de signe chez vous, vous met en méditation. Ne rêvez plus. La vie est un champ d'expériences enrichissantes et cette journée en fait partie. Bonne journée à tous et à toutes. Retrouvez Hélène Mac et toute la team d'experts de La Minute Astro depuis votre mobile, laminuteastro.mobi.